Salut, toi derrière toi, l'écran. Cette fois, on se retrouve pour un haul back to school. Ce sera les vêtements que j'ai achetés pour la rentrée, que il n'y en a pas beaucoup, mais je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, il y a déjà le pull là, qui vient du marché. Donc voilà, avec une petite capuche toute simple. Ensuite, il y a, donc je vous ferai des photos portées, hein. Ce crop top qui est de chez Jennifer, donc je peux dire les prix, si. Si. Donc il est à 16 euros. Ensuite, je me suis pris aussi le jogging qui va avec. Donc il n'y avait pas la même couleur, donc j'ai pris tout simple, noir et blanc. Donc qui était aussi de chez Jennifer et qui m'a coûté, donc qui était aussi à 15 euros. C'est à 16, donc il est à 15 euros. Je crois que c'était plus chez Jennifer, non? Oui, c'est plus cher. Donc après, je vais pas vous montrer parce que c'est pas à moi, je montre vraiment ce que moi je me suis acheté. Donc, je me suis pris un pull rose marqué Enjoy de chez Pimki, donc qui m'a coûté 26 euros. Donc j'ai pris que des trucs polaires pour l'hiver et tout, parce que moi je suis pas frileuse, mais les hivers ça caille, donc il est super chaud, super doux, super agréable. Donc, ensuite je me suis pris un push-up parce que le mien me va plus, toujours de chez Pimki, donc il m'a coûté 20 euros. Donc voilà. Donc le prix, je ne sais plus du tout, je crois que c'est dans les 20 euros à la chaussure. Une paire de baskets qui est déjà un petit peu sale, hein. Toute simple avec un petit dos derrière, gros bordeaux. J'ai oublié, sur le marché, je me suis aussi repris des chaussettes. Donc le prix, je crois que c'était... Ah, je sais plus du tout. Je me suis repris des caleçons, donc j'en ai un sur moi, c'est propriété privée. Il y en a un au sol, c'est ta gueule, je t'aime. Là, celui-ci, c'est je bois pour oublier que vous êtes con. Donc voilà. Ensuite, il y a là, c'est moi la plus belle. Donc ils étaient tous à 2 euros les questions. Il y a 100% libre. Il y en a un tout simple comme ça, bleu et gris. En rose, c'est cool. Donc ça, je vous ferai pas de photo parce que je vais pas vous montrer mes fesses. Hein. Il y a 100% folle. Donc j'ai pris que des trucs qui me décrivaient. Hein. Et encore le même que le que on a déjà vu en rose. Que les chaussettes, je les ai. C'est vraiment de tout simple avec des petits points parce que moi, je préfère les basses pour mettre dans les baskets. Que ce soit été ou hiver. Donc voilà. Pour finir, j'ai eu dans un magasin de vêtements, je sais pas du tout le nom, dans un village, cette veste à 10 euros en solde. Donc il y a des fleurs sur tout le bras. Bon, par contre, elle tient pas du tout, du tout chaud. Hein. C'est bon, quand il y a un petit coup de vent, c'est tout. Hein. Je vous le dis. Donc il y a vraiment des fleurs partout. Puis les poches, elles sont vraiment petites hein, aussi. Mais j'ai eu un coup de cœur, du coup, bah, je l'ai prise. Puis elle était à 10 euros, ça fait les coups. Au lieu de 25, j'ai eu. Donc là, on a des t-shirts, je voulais montrer des pulls que je vous montrerai pas. Je vous les montre directement portés en fait. Donc j'ai été acheté tout à l'heure. Ils sont. Donc là, il y en a trois. Là, c'est le blanc qui est marqué Not One is the Perfect Like Me. Ensuite, il y a Amazing. Donc c'est pareil, je l'ai acheté tout à l'heure aussi. On les a achetés à la halle. Voilà. Ensuite, on a le rose. Et pour finir, on a le rose. Et c'est marqué femme. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, on les a eu à 10 euros.
Et ils sont super, super chauds. Ils sont super doux et tout, super agréables. Moi, j'adore. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller le dire en commentaire, à laisser des pouces bleus et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour ne louper aucune de mes vidéos. Bye bye!